Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Rainbow Six Siege, non pas pour des glitches, mais pour des petites astuces. Donc on va commencer tout d'abord par une astuce ici sur la véranda du café Dostoïevski. Pour y descendre, on est obligé de se mettre en rappel, comme vous pouvez le voir là. Bon, quand vous êtes en rappel, déjà ça fait du bruit. Et les ennemis peuvent vous tuer vraiment inutilement pendant que vous êtes en rappel. Donc il y a une petite astuce pour descendre par cette véranda sans être en rappel. C'est vous montez ici, vous voyez. Ici vous montez le long du tuyau. Ensuite vous montez ici sur le ventilateur. Et là vous décalez bien dans le coin. Bon, vous allez perdre 25 de vie. Mais là à peine vous êtes descendu, vous surprenez les ennemis. Et c'est plus simple ensuite pour les tuer vu qu'ils sont surpris. Ensuite il y a d'autres petites astuces sur cette map. Genre quand vous êtes en défense, vous pouvez vous cacher dans les comptoirs comme celui-ci. Alors il y en a plusieurs où vous pouvez vous cacher. Donc à cet étage, il y a celui que je viens de vous montrer. Et il y a également celui-ci. On peut rentrer à l'intérieur. Ensuite il y en a à l'étage du dessous. Ici vous pouvez casser les rambardes. Je pense que tout le monde le sait ça. Hop. Là je saute ici parce qu'il y a un petit bureau. Si j'avais sauté ici, j'aurais perdu 5 de vie. Et là j'ai sauté sur le bureau pour pas perdre de vie. Mais bon, ça c'est pas une astuce. Vous avez celui-ci aussi où vous pouvez vous cacher. Et celui-là il est bien car vous pouvez vous cacher vos pieds dans le sapin et prendre une petite ligne ici. Donc celui-là il est vraiment pas mal. Pour moi c'est le meilleur des comptoirs sur cette map. Donc il y a aussi celui-ci. Et le dernier, c'est celui-là. Donc là vous mettez sur la cam du dessus. Quand ils arrivent à côté de vous, vous pouvez vraiment les surprendre. Coucou l'otage. Quand je suis en défense, moi ce que je fais, je barricade ce mur. Quand je suis en défense ici, je me fais un petit trou ici. Enfin vraiment un petit trou discret, là j'ai pas fait un trou discret. Je barricade ici. Je ferme la porte ici, je mets un bouclier ici pour pas que les gens me tirent dessus. Ici je mets un bouclier. Et là je prends une ligne vers la porte. Et souvent je me fais 2-3 kills. Mais bref, ça c'est plus une astuce pour moi que je me sers. Comme ça si vous jouez un jour contre moi, bah vous savez où je suis. Et la dernière petite astuce sur cette map, c'est que vous mettez un bouclier ici, entre la table en inox et ici. Et ensuite bah vous pouvez monter là et aller au-dessus, et vous pouvez vous coucher là-dessus. Bref, la petite astuce que je voulais vous montrer le plus, c'était celle sur le toit et les petits comptoirs. Voilà, j'espère que ces astuces vous auront plu. C'est pas des glitches, je vais vous ressortir des glitches, ne vous inquiétez pas. Ben, on se retrouve une prochaine fois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous aimez les astuces aussi sur Rainbow Six Siege, pas que les glitches. Et ciao, bye bye les gens. Peace.